Si j'étais né d'un pays riche, qui a dit que ton pays n'est pas riche? Si j'étais né en accident, si je n'étais pas malade, si je n'étais pas handicapé, si mes parents vivaient, citez-moi des excuses, hein. Ça c'est ce que les gens utilisent à longueur de journée pour se justifier. La vie n'a pas besoin de justification. Arrête de te justifier. Si j'étais un bel homme, si j'étais une belle dame, si j'étais intelligent à l'école, qui a dit que c'est à l'école seulement réussi? Qui t'a dit ça? Madame, vous pouvez partir. Qui a dit ça? Si j'étais père, si j'avais un bon mari comme ma soeur ou mon ami, si je n'étais pas vieux, si je n'étais pas marié, voici des excuses qu'on utilise en longueur de journée. Si je n'avais pas d'enfant, si je ne vivais pas dans une famille nombreuse, si mon mari était riche, qui a dit que toi-même tu n'as pas besoin d'être riche aussi? Si ma femme était une bonne femme, qui a dit que toi-même tu es bon? Des excuses en longueur de journée. On se justifie tout le temps. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est deux personnes qui font palabre. Donc si ce n'est pas toi, qui a créé alors? On se justifie chaque jour pour dire qu'on n'est pas fautif et que ce sont les autres qui sont fautifs. Si je n'étais pas vieux, qui a dit que c'est quand on est jeune qu'on doit réaliser quelque chose de fort ou quelque chose de grand? Arrête de te justifier, parce qu'aussi longtemps, que tu vas continuer à penser dans ta tête que ce sont les autres qui sont les fautifs, rien ne va changer. Rien ne va changer. Je rappelle qu'ici, nous ne sommes pas dans un événement religieux. Ça n'a rien à voir des religieux et ça n'a rien à voir. Les excuses. S'il n'y avait pas de sorciers dans mon village, qu'est-ce que toi tu prends pour détecter les sorciers dans ton village? On se justifie pour dire qu'il n'est pas fautif et que ce sont les sorciers qui sont au village.